Bonsoir. Je fais ce direct une fois pour ne pas oublier. Dès que vous tombez sur ce direct, partagez-le. Envoyez le lien à Collins Lana. Collins Lana, vraiment, tu n'as pas honte. Pourquoi tu fais comme si tu es au téléphone avec moi? Alors que je ne suis pas au téléphone, tu n'es pas en train de causer avec moi. Pourquoi tu fais ça? Et c'est vous les quoi du MSC ou de la Révolution. Hein? Tu n'as pas honte. Appelle-moi pour qu'on écoute ma voix. Appelle-moi vraiment si tu veux m'appeler, appelle-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es devenu comédien? Hein? Tu es devenu comédien, collège Nana. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, collège Nana. Et c'est vous qui voulez vous, c'est vous. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Regardez-moi les gens donc qui sont derrière le président. Président qu'il a même. Hein? Regardez. Il dit que oui. Allô, le. Tu parles, tu es avec moi au téléphone, va, va. Tu sais pas que le monde est petit, qu'un jour on va se rencontrer et que tu auras honte de me regarder dans les yeux. Hein? Et tu veux m'appeler, appelle-moi vrai. Et si tu veux prendre le parti de ton frère, tu comprends? Seulement, tu n'es pas un homme. C'est malheureux, hein? Un monsieur qui fait comme s'il était avec moi au téléphone, alors qu'il ne m'a pas appelé. Il me dit que l'image là pour avec le RDPC. Toi, tu me mets au tribunal. Toi, tu es qui? Collin Nana, tu es qui? Tu es qui pour me demander que faire quoi avec le RDPC? Toi, tu es qui? Tu es né pour me demander que je fais quoi avec qui je veux? Faites vos trucs là, Samuel Eto'o. Hein? Tu es qui? Parce que vous dites que vous êtes en Europe là-bas, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci. Vous pouvez me faire vos mamans là. Vous pouvez me faire ça. Rends-moi les gens comme ça. Il dit que oui. Oui, c'est vrai qu'il s'attaquait à la coqueuse de diamant. Ton problème là-dedans, c'est quoi? Tu n'as pas vu comment il m'a insulté? Ouais. Quand il dit que Longuet n'est pas allé à l'école, c'est pas une injure. Et c'est la quatrième fois qu'il s'attaque à moi. Va écouter sa chanson. Au Manangana, tu vas entendre mon nom dedans. Mon nom fait quoi dans sa bouche? Supporte ton frère. Mais quand même, ne pousse pas ton frère à la bêtise. Tu as compris, non? Je m'adresse à toi, Collins Nana. Je m'adresse à toi. Si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi. Déjà, tu n'es pas un homme qu'on doit respecter. Vous voyez, ce que tu fais là n'amène pas les gens même à te respecter. Tu fais comme si tu étais avec moi au téléphone alors que tu ne m'as pas appelé. Appelle-moi. Toi, envoie-moi ton numéro, moi je vais t'appeler. Tu as compris? Traumatiser l'Europe. Si l'Europe vous traumatise déjà là-bas, vous commencez à faire n'importe quoi. Envoyez ce direct à monsieur, à ce collège Nana, qui croit qu'il est le dieu de quoi, de révolution de quoi même. Vous êtes la révolution de quoi? Vous arrivez hier, vous allez hier dans un combat, vous trouvez les gens qui sont là dans le combat depuis 22 ans. Vous voulez parler fort? Hein? Comme vous avez toujours l'habitude d'envahir toujours les secteurs. D'envahir les secteurs. Vous venez trouver quelqu'un dans le combat depuis 22 ans.
Vous venez de devenir les grands capitaines, les grands généraux du combat, n'est-ce pas? Il dit que allô, allô, longue, longue, allô, longue, longue. Tu avais le gars au téléphone là, tu es sûr? Fais croire aux gens qu'il avait moi au téléphone alors qu'il ne m'a pas appelé. Oui, il fait croire qu'il avait moi au téléphone alors qu'il ne m'a pas appelé. Ce collègue Nana. Donc envoyez-lui ce direct. Pousse ton frère à la bêtise. Tu as compris, non? Envoyez ce direct à Colin Nana, s'il vous plaît. Envoyez-lui le lien de ce direct. Il a dit qu'il va m'appeler pour me demander que qu'est-ce que je fais avec le LPC. Toi, tu fais quoi avec le MSC? Toi, Colin Nana, tu fais quoi avec le MSC? Hein? Moi, je te pose la question, je n'attends pas de t'avoir au téléphone. Je te demande que toi, tu fais quoi avec le MSC? N'amenez pas les gens à se révolter. Hein. Vous avez compris? On n'est pas obligé de vivre avec vous. Hein. On n'est pas obligé de vivre avec vous. Comme celle-là disait qu'il faut être du côté du peuple. Et c'est toi l'avocate du peuple. Hein? Ou même vous croyez que le peuple est de quel côté? Venez ici à Douala. Dites au Bensikiner de choisir un camp, vous allez voir. Dites aux pauvres, allez même dans vos villages, dites aux pauvres de choisir un camp. Vous allez voir quel camp ils vont choisir. Dites qu'il faut venir du côté du peuple. Vous savez vous-même ce que le peuple veut? Hein? On vous a dit que le peuple, c'est une poignée de 50 personnes. Hein? Si c'est que c'est ce que le peuple veut, demandez au peuple de sortir, on voit s'ils vont sortir. Demandez aux gens de sortir, marcher là, s'ils vont sortir. Il faut être du côté du peuple. Et c'est vous maintenant, c'est vous qui commandez tout. Donc, il y a deux personnes. Que Dieu va m'aider, va entrer en Europe. Et c'est là où on va courir. Je vais manger l'argent sur vous. Je vais manger l'argent sur vous. Heureusement que moi, je connais comment la justice se passe en Europe. Il y a eu 10 ans de combat judiciaire avec la justice française. Ils m'ont pas gagné. 10 ans. Donc le jour que je mets pied en Europe, ne croyez pas que vous marchez comme vous voulez. Hein. Je marche comme moi-même je veux. Maintenant, celui qui ne veut pas, on va courir en justice. C'est tout, il n'y a pas de solution. On va courir en justice. Vous croyez que les Niad Barano abandonnent le combat parce qu'ils sont trop forts? Il y a la justice. Hein. Il y a la justice. Oui, parce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. C'est même pas compliqué. Je vous rappelle, j'ai eu 10 ans de combat judiciaire. Et je faisais les va-et-vient. Ce que personne n'a jamais fait. Depuis 60 ans que la justice existe en France. Sept fois les magistrats m'ont laissé venir au Cameroun. Avant mes deux premiers jugements. 7 fois, on m'a laissé venir. Demandez, renseignez-vous comment mon problème s'est passé. On va vous dire que on ne comprend même pas. Ça ne s'est jamais fait en Europe. Les permissions de sortie, plus de 10 permissions de sortie. Même pas. On va courir, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous êtes là, vous parlez là, même le comédien là, il parle, quoi qu'il arrive. Mais le jour que je serai là, bon, là maintenant on va voir. Parce qu'il a ces quelques personnes qui sont avec lui. Maintenant, moi-même, je serai sur le terrain maintenant. Et j'aurai même la masse de personnes qui seront avec moi. Oui. J'aurai
une masse de personnes derrière moi. Et maintenant, on va dire que, ok, maintenant, parlons maintenant. Parlons. Parlons maintenant. Vous êtes têtu, vous n'êtes pas les plus têtus. Hein? Nous sommes tous têtus. Hein? Connaisse Nana, je m'agresse à toi. Je m'agresse à toi, Connaisse Nana. On n'est pas obligé d'être avec vous, monsieur. Écoute-moi bien, je te dis ça. On n'est pas obligé d'être avec vous. Je ne suis pas obligé d'être avec vous. Si tu veux m'appeler, appelle-moi vraiment au téléphone. Hein? Et sache que ton frère, dis à ton frère d'arrêter de chercher les problèmes. Hein? Dis qu'il arrête de chercher les problèmes. Parce que c'est Imbos qui l'a commencé à me menacer. Ce monsieur m'a d'abord manqué du respect parce qu'il m'a appelé un jour pour venir chanter pour une somme minable. J'ai refusé. Il a commencé à m'insulter. Il a commencé à m'insulter. Deuxième fois, il remplaçait Calagan à Canal 2 dans l'émission C'est comment. Il a reçu un artiste là, il s'est mis à dire à l'artiste que le gars a dit ceci sur toi. Je l'ai appelé, j'ai dit qu'arrête d'appeler mon nom. Ça, c'est la deuxième fois. Troisième fois, il va au studio, il chante sa chanson. Tu n'es pas maudit, il cite tout le monde. Moi, il arrive, il met mon nom dans sa chanson en disant qu'il réfléchit si je ne suis pas maudit. Ce gars est béni que moi. Moi, j'ai envoyé toute ma famille en Europe. J'ai construit la maison à mon père à 28 ans. Lui, il a fait quoi? Il a envoyé ses frères en Europe. Dites-moi un peu. J'ai déjà fait le tour du monde. Hein? Sa référence, c'est qu'il était au Qatar. Vous allez même voir comme ça que... Dis donc. Donc, s'il vous plaît, monsieur Nana, je veux que tu supportes ton frère aveuglement. Supportez-le. Mais il n'a pas le droit de faire un direct et dire que l'onglet n'a pas été à l'école. Il ne peut pas écrire une de mes dernières chansons. Il peut écrire Ayo Africa. Il peut écrire privatisation. Il peut écrire examen de conscience. Il peut écrire trop d'impôts, tu l'impôt. Il peut écrire je ne mourrai pas. Il peut écrire mes vrais amis. Il peut écrire Kirikou. Il peut écrire demander à Dieu. Il peut écrire témoignez-moi. Il peut écrire 50 ans au pouvoir. Il peut écrire même les dernières chansons sur les vieux. Les vieux, à l'Assemblée, il y a un vieux. Il peut. Il peut écrire, ils ont la boulimie du pouvoir. Il peut. Ce gars qui dit qu'il a fréquenté là, il peut écrire, ils ont la boulimie du pouvoir. Il peut. Il peut écrire une de mes dernières chansons. Je pose encore la question. Que le goût. Dis donc. Je ne veux même plus l'insulter. Je veux que vous supportez votre frère. Il dit allô, allô, je suis avec Longa au téléphone. Tu es avec Longa au téléphone, Colin Nana. Tu es avec moi au téléphone. Envoyez ce direct à Colin Nana, s'il vous plaît. Et tu dis à ton frère qu'il ne peut pas écrire une de mes dernières chansons. Donc, quand je parle, il se tait. Il s'était. Il n'est pas entré dans les faux conneries qu'il a commencé son chantier par la piscine. Et si c'est là, pour fermer la bouche de Malox. Tu vois qu'il attaque tout le monde. Hein? Il dit qu'il est celui-là qui éteint les carrières. Il a éteint la carrière de Jupo Remingono. Il a éteint la carrière de Shakirou. Il a éteint la carrière de Mimbomi Mamibe. Maintenant, c'est à mon tour. C'est au tour de Longa d'éteindre la carrière de Longa Longa. Quelqu'un qui jubile d'être un assassin. Vous avez vu ça où? Quelqu'un qui jubile d'être un assassin. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Envoyez ce direct à Colin Nana. Partagez. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Envoyez le lien à Colin Nana. Et dites à Colin Nana que je n'ai pas envie de le traiter de parvenu. Mais la prochaine fois, je vais le traiter de parvenu. Peut-être que vous faites vos concurrents là-bas avec le docteur Nyamsi. Je m'en fous de tout ça. Je ne suis pas dans vos histoires là. Je m'adresse à toi, Collins Nana.
Parce que pour moi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Moi, il t'a dit, m'adresse à toi, Colin Nana. Il dit que tu n'es rien. Tu as compris? Donc, tu arrêtes d'appeler mon nom. Si tu veux m'appeler au téléphone, appelle-moi vrai, en cause. Appelle-moi vrai. Tu as quelque chose dans vos conneries de soi-disant révolution là-bas, en Europe là-bas. Tu as quelque chose, tu as quelqu'un parmi vous là, que vous dites que vous voulez changer le Cameroun là. Tu as quelqu'un là-bas, mais pour moi, tu n'es rien. Tu as compris?